Bien, je m'appelle Vincent, j'ai 33 ans et on vient de Montpellier. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir participer à ce drainage de confiance? De vivre quelque chose autrement. Vous avez déjà participé à un rassemblement de Thésée? Thésée Jour de l'An, non. Mais Thésée Village, oui. Quand vous vous êtes décidé, vous vous attendiez à quoi comme type de rassemblement? Ça. C'est-à-dire? C'est-à-dire beaucoup de monde et voilà. Ah, vous êtes venu avec un groupe? On est venu avec le groupe de Montpellier, on est 13. Et on a deux bus qui viennent de Toulouse à Jeun et un autre bus qui est passé par Bordeaux. Alors, comme d'autres s'attendaient à ne pas être pris, je vais... Non. Donc moi c'est Florent, pareil, je fais partie du groupe de Montpellier. Et puis moi par contre ça fait la quatrième année d'affilée que je fais la rencontre européenne de Thésée. Et à chaque fois c'est un ressourcement sur la fin de l'année pour repartir les batteries à bloc pour l'année qui commence. Et puis c'est surtout un bon moment de fraternité, de partage avec les autres jeunes d'Europe. Et là, particulièrement en Alsace, où il y a un signe fort du sens du rassemblement, en fait, la réconciliation. Lorsque vous avez décidé de venir, vous avez répondu à une invitation ou au contraire, c'est vous qui avez invité d'autres? C'est plutôt l'inverse, oui. En fait, on est déjà un petit groupe de jeunes sur Montpellier à se rassembler régulièrement. Et il y en avait certains qui ne connaissaient pas justement Thésée, ni Thésée Village, ni les rencontres européennes. Et connaissant du coup, ayant fait l'expérience plusieurs fois, j'ai réussi à motiver quelques-uns d'entre eux pour faire découvrir cette expérience que j'avais beaucoup appréciée par le passé aussi. Et vous avez qualifié le rassemblement comment pour les décider? La fraternité. S'il y avait un mot à retenir, c'est fraternité. Merci beaucoup. Merci à vous.